Donc c'est ça qui fait que n'a pas agi. Ni quoi des bouquets, ni Pernier, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone. Pernier. Yeah. Des opérations qui ont réalisé. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé, que nous libérons. Il y a déjà deux véhicules que vous voulez que nous récupérons. Nous n'avons pas de dernier bilan parce que l'opération est en cours toujours. Il faut nous passer dans la deuxième étape. La première étape là, est épuisée. Nous permettre réellement que nous baissions dans le nombre de cas de kidnapping. Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer à nous gazer. Donc, foyer, nous déjà connaissons, donc il n'y a pas de secret pour tout le monde. C'est Gravine, village et autres. Donc, maintenant, c'est foyer à nous gazer. C'est ça. Parce que c'est foyer à nous gazer. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Donc la police là, au fur et à mesure, a mené une opération et prend contrôle de l'espace. Pernier limitrophe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un facteur qui menace le quartier Pernier. Nous comprenons, nous n'avons pas agi sous lui. Nous augmentons la présence au niveau Pernier. Mais pour résoudre la situation Pernier, il paraît simplement à présence policière, parce que quartier ça a gagné une menace perpétuelle sous lui, tout en tant que la situation de Côte d'Ivoire n'est pas totalement contrôlée. Nous travaillons en pile sous prévention. C'est ça fait que chaque jour, nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue. Pour que nous renforcions le déploiement de policiers dans la rue pour faire prévention. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone. Et nous avons garanti chaque jour notre travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité. Dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente mon problème. Le parle du crasé foyer, kidnapping, le dit prendre contrôle de l'espace de façon à ce que pour que nous servions la population mieux. Mais pour tes précisions, ça pour éviter toute mauvaise interprétation. Bon, ça nous va pour que nous. Renforcer la bataille contre le banditisme, gagner des mesures administratives, nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner planification. Tout. Donc, les ressources humaines, nous accordons un peu d'importance avec lui. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner. Effectif, raisonnable, qui peut permettre que nous répondions à des défis que nous avons à un moment. Non, le palais. Palais national, d'une des unités spécialisées là-dedans, qui l'a pour sécuriser espace palais, espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc, si nous avons un cas extrême, comme commandant en chef, avec l'aval autorité politique, nous allons utiliser tout le matériel qui est. Bon, on ne va pas arriver, on ne va pas faire, mais au moment où on va arriver, on va utiliser toute sa lumière dans la lutte contre le bâtiment. Pour défendre la rue. Oui.